Deux montures, pour un seul cavalier, un solitaire qui sillonne la France depuis 3 semaines. Sa mission, rejoindre Paris à cheval et profiter de la COP21 pour tirer, à sa manière, la sonnette d'alarme. En selle ou à pied, pas de repos, la planète n'attend pas. Avec la présence de ces deux animaux, de ces deux vrais animaux vivants, à la fois le long du parcours et avec l'arrivée à Paris, je souhaite pouvoir marquer que la biodiversité, elle a vraiment besoin d'être protégée de tous les excès qu'on a commis depuis un bon siècle et demi. Des Pyrénées jusqu'à la capitale, Jacques Arthuis aura parcouru 900 km. Et le voilà maintenant qui fait halte dans notre région, une terre un peu moins accidentée, un peu plus reposante. Depuis 3 semaines et demie, on n'a fait que des régions et des départements vallonnés, si je puis dire. Donc on va visiter les plats solognaux. Et peut-être qu'on va goûter aussi les plats solognaux après, s'il y en a. Seul problème, il n'a pas toujours le temps pour les haltes culinaires, contrairement à ses chevaux qui, parfois, tirent un peu au flanc. Non, c'est fini, la pause est terminée. Nomad, la pause est terminée. Voilà. Avant de pouvoir souffler, lui aussi, il reste à notre cavalier une dizaine d'étapes. Il le sait mieux que personne, Paris ne s'est pas faite en un jour.